La qualification de la sélection marocaine en demi-finale de la Coupe du Monde est une source d'inspiration pour toutes les nations africaines qui réalisent désormais que le travail acharné porte forcément ses fruits. Je vous propose cet extrait de l'émission Question d'actu. Moi, je crois que c'est un assemblage d'individualités, de talents marocains qui sont indéniables et qui jouent déjà dans les grandes équipes européennes. C'est un assemblage entre ces talents-là et une méthode de management qui est celle de Walid El Gragui. Et je crois que à partir du moment où on a un entraîneur qui a su trouver les mots, qui a su installer un esprit d'équipe, qui a su insuffler un esprit combatif à cette équipe, leur donner envie de gagner, donc rien n'est apparu impossible à cette équipe. Donc c'est une équipe qui a sorti les plus grands équipes européennes, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, et elle se retrouve devant la France. Je crois que sur le plan technique, les deux équipes sont presque à égalité, à part le Mbappé qui se détache un petit peu du lot, sur le plan technique, ils sont presque à égalité. Ce qui va faire la différence mercredi soir, c'est celui qui a le plus faim, celui qui a le plus envie de faire histoire, de créer l'histoire. Et sur ce plan-là, les Marocains, avec leur esprit combatif, avec leur envie de réaliser l'exploit mondial, ferait la différence. Ce qui va faire en sorte que les Marocains vont courir encore plus vite, vont supporter encore plus la douleur, vont s'approcher vers le but pour marquer avec plus d'enthousiasme et plus, entre guillemets, d'agressivité et de volontarisme. Donc cet état d'esprit, moi je compte beaucoup, je parie beaucoup sur cet état d'esprit pour faire la différence. Sur le plan technique, je crois que les deux équipes se connaissent très bien, les individualités se connaissent très bien puisque la plupart évoluent ensemble dans les championnats européens. La différence, c'est entre un pays qui a déjà deux Coupes du Monde à son actif et un autre qui veut casser le mur, qui veut créer l'histoire au sens propre du terme avec un grand H et être la première équipe africaine à d'abord à se qualifier à la finale et éventuellement à gagner soit la Croatie, soit l'Argentine.